Grenoble 11e accueille Dijon 16e. Les Grenoblois restent sur 2 victoires et 2 nuls. Il y a eu une belle amélioration pour l'équipe iséroise. Grenoble va essayer d'enchaîner face à des Dijonais qui eux aussi ont commencé à corriger le tir. 4 victoires sur les 6 dernières rencontres. C'est plutôt mieux par rapport à un début de saison très compliqué. Grenoble joue avec Michel Ravet et Diallo en attaque. Côté Dijonais, Benzia est au soutien de Le Mihan et Dobré. Première attaque en faveur de Dijon. Le ballon repoussé par Brice Maubleu. Puis une deuxième chance avec ce tir. Le tir de Valentin Jacob. Nouvelle chance en faveur des visiteurs. Et un tir sur la barre de Jacob. Pas de réussite pour les Dijonais. Un petit peu plus d'efficacité pour les Grenoblois. Car c'est la première attaque tranchante pour Grenoble. Le tir victorieux de Yorick Ravet à la 29e minute. Un très joli coup franc pour Ravet. Et quatrième but de la saison pour Ravet. Grenoble mène 1-0 juste avant la demi-heure de jeu. C'est le seul but de la première période. Grenoble est devant au score, 1-0 à la mi-temps. Et en seconde période, il y a largement assez de possibilités de revenir pour Dijon. Car les Bourguignons avaient bien débuté le match. Attention à ne pas prendre le deuxième tout de même. Ballon stoppé de justesse. Panique à bord dans la défense de Dijon. Et c'est finalement repris in extremis. La contre-attaque s'organise avec la percée de Yacine Benzia. Benzia bien récupéré ce ballon. Benzia va au bout. Superbe accélération de Benzia. Il peut ajuster Brice Maubleu pour une égalisation. Un partout à la 57e minute. Yacine Benzia va au bout de cette action pour marquer son troisième but de la saison. Il retrouve la forme. Et Dijon s'est bien relancé avec ce but. Pas mal de suspense dans les derniers instants de cette partie. Pour les 20 dernières minutes, on se demande bien de quel côté ça peut basculer. Benzia toujours à la manœuvre. Il a pu donner ce ballon sur le côté. La possibilité de centre, le ballon légèrement dévié. Et la reprise d'Alexandre Dobré. À un quart d'heure de la fin, Dijon a reversé le score et mène 2 buts à 1. Deuxième but de la saison pour Dobré. C'est le deuxième match de suite dans lequel il marque. Après avoir été longtemps en échec, le joueur roumain trouve de bonnes solutions. Dijon tient un très bon résultat et le tient jusqu'au bout. Victoire de Dijon, 2 buts à 1 sur le terrain de Grenoble.